Lorsque l'on se promène au marché, il y a les vieux pressés, les vieux moches, les vieux lents, ou encore les vieux handicapés. Vas-y, essaye comme ça. Pour être liberti et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la toute puissance. Mais qu'est-ce que t'as pris, ma chérie? Cette idée de se jeter sous le train était vraiment alléchante. Attends, je vais pas poser la question. Pile ou face? Bon. Ah, c'est face. T'as perdu. Eh ben si. Ça va, ta gueule, c'est bon. Orange. Fais chier. Tous les soirs d'Halloween, c'est la même chose. Vous faites chier, laissez-moi tranquille. J'ai 21 ans et je joue encore en cow-boy avec mes mains. J'ai 10 secondes pour vous prouver que le port que j'ai mis ma filée est un point de merde. Identification du lieu impossible, aucun personnage principal, aucune action, filmé avec un téléphone portable, crie d'un enfant trisomique désagréable, et à la 4ème seconde, on entend Rémi renifler bruit. J'adore décorer les sapins de Noël. Oui, moi aussi. C'est le découp pour l'année 2012. 3, 2, 1... Ouais, il s'est rien passé. Oh oui. Bienvenue sur Téléshopping. Vous voulez séduire les jolies filles pour 30 euros seulement? Notre produit vient tout droit des laboratoires d'Israël et s'appelle le chaton. Avec lui, toutes les jolies filles viendront assurément chez vous. Date de péremption écrite sur l'oreille droite. C'est ici que le fameux psychopathe Étienne Corrette, tuant ses femmes en jouant avec la lumière, a été découvert. Il n'avait pas été arrêté il y a 10 ans? Excusez-moi, je me sens pas bien. Père Cacastor, raconte-nous l'histoire. Quelle queue! Quelle belle queue! Castor, on organise une chasse aux queues! Ah oui! C'est la saison des gloires de grandes queues! Vous avez oublié ma queue! Glou 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 glou, plaque plique plique, bloc. Putain, tu sais quoi? À la soirée d'hier, il y a un mec qui m'a piqué ma copine. Il me l'a décrit, il avait les yeux bleus, une légère moustache, et il était brun, et il avait une mèche, on dirait un Jedi. Ah! Non, bah c'est pas moi, hein! Hola! Je suis le génie des patates germées. Que fais-tu là, jeune homme? Je vais te montrer comment éplucher une patate. Avec la patate, tu dois y aller en douceur et en souplesse. Ton esprit ne doit faire qu'un avec la patate, vois-tu? Ouais, ça fait chier, je vais me faire du riz. En quelque sorte, la patate, c'est ta chérie. Toi, tu es son gentleman. C'est la vie. C'est une histoire de patate, vois-tu? Bonjour, Laura.
beau, toutes ces bougies. Mais... ça sent bizarre. Ben, c'est toi ! Ah, tu pues ! Non mais pauvre mec !